Mais très chers frères et sœurs, Père nous fait grâce de vivre un nouvel instant, un nouveau moment avec lui dans la parole. Aujourd'hui, elle est annoncée en 1 Corinthiens au chapitre 7 et au verset 5. Soyez les bienvenus. Ne refusez pas de vous unir l'un à l'autre. Mais il y a une exception. Si vous voulez mieux prier, mettez-vous d'accord, tous les deux, pour agir ainsi pendant peu de temps. Ensuite, retournez ensemble. Sinon, vous risquez de ne plus être maître de votre corps. Et Satan peut en profiter pour vous tenter. Version Parole de vie. Mes bien-aimés, la parole est sage conseillère. Pensez à l'importance de comparer les versions bibliques afin d'en saisir pleinement le sens. La parole est vivante, mes très chers amis. Pensez à partager la vidéo, activer la cloche pour ne manquer aucun jour un verset et avec puissance recevez l'Esprit de notre Père et que la grâce vous abonde dans le nom parfait de Jésus-Christ.